Enfin, c'est notre série de la semaine, vous le savez, on va vous faire découvrir chaque jour des artistes qui sont des stars, mais uniquement dans leur pays. Direction Alger ce matin pour découvrir le coup de cœur de notre correspondant sur place, un jeune artiste algérois. Artiste qui rencontre ses premiers succès sur scène, musicien, compositeur et chanteur, Zaki Mioubi s'est spécialisé dans le shaabi ou la musique populaire. Récit à Alger, signé Nour Chahin. Des notes de shaabi jouées par Zaki Mioubi, son instrument, le mandol, est typique de cette musique populaire. Les Algérois en sont fans, comme Inès, attablée tout près de la scène. Alors il y a déjà l'instrumental qui est magnifique, et surtout il y a les paroles qui sont très significatives, avec beaucoup de sagesse aussi. De la sagesse très populaire qui inspire l'artiste algérois. J'ai l'impression, parce que ça me ressemble déjà à moi, je suis algérois, j'ai toujours baigné dans cette musique, parce qu'il y a le texte qui est là, il y a la diversité, il y a les rythmes qui sont très intéressants. En quoi ce que disent les gens est important, raconte cette chanson issue du terroir algérien, des paroles que Zaki Mioubi ne désespère pas d'exporter vers l'étranger. On a été à Montpellier pour participer au festival Andalus. C'était une occasion pour nous de montrer la musique shaabi. Le succès, il était rendez-vous. On était même agréablement surpris par la réaction du public français. L'amour, le chagrin ou le partage, Zaki interprète des textes centenaires qui ont bercé mon enfance, mais c'est la touche de modernité qu'il apporte à ces textes qui fait son succès. Et voilà, Nour Chahin, correspondant Europe 1 à Alger.